on coupe à gauche par les machines. Salut à tous, c'est Kiwi, on retrouve Seth pour le 8ème épisode de Killzone 3 sur PlayStation 3. Et Rico est déjà parti se fighter, c'est incroyable. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. Il est temps qu'on aille défoncer du X, hein, parce que là je n'en peux plus. C'est une scène que je recommence en plus. Alors, je peux vous dire que... faut vraiment que je les défonce tous là. Alors je sais qu'en franchissant cette porte, ça va se refermer, je ne pourrai plus revenir en arrière, alors que là, j'ai quand même un sacré arsenal à disposition. J'aimerais bien faire tomber un petit peu toutes ces plaques là. Allez, vas-y, comme ça je reprends un peu de stock, de mun. Voilà, allez, c'est parti. Ramasser et on y va. Ça va se refermer, non? Ça va se refermer. Aïe 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 aïe. Ça déconne pas, ça déconne zéro. Est-ce que c'est ouvert encore? C'est plus ouvert, c'est fermé, ça y est. Allez, vas-y, sors ta tête. Il se met en plein milieu lui. Allez, ça c'est très bien ça. Toi t'as envie de mourir, y'a pas de problème, je vais t'aider quoi. Aïe 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 aïe. Vas-y, meurs, 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 meurs. Ça m'arrange. Ouais, voilà. Oh, et toi aussi là. Eh, ça c'est parfait. Hein. Ça c'est parfait. Ah, lui il va nous emmerder. Lui il va nous emmerder. Il va falloir sortir la grosse arme. Voilà, parfait. Aïe 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 aïe. Tu seras sur pied en rien de temps. Merci, mais il faudrait vite le déglinguer lui. C'est moi. Entre de pas trop. Attends. Vas-y, le troisième, j'en ai vu un troisième. Hein. Qui s'envolait là? Il est là. Calme-toi, calme-toi. Voilà. Bon, je suis sorti à peu près. C'était pas non plus un truc de dingue. Il y a encore un mec qui vole là. Attends, c'est incroyable ça. Allez, vas-y, t'as pas envie de mourir un petit peu toi? Où est-ce qu'il est? Ne dis pas qu'il m'arrive dessus dans le dos là. Voilà. Allez, toi tu vas y passer aussi. Putain, en fait ils étaient 5 les mecs. Ils étaient 5. Et ça plaisantait pas. Est-ce qu'ils ont des armes sur eux? Putain, 8ème épisode et on est dans un sacré bourbier là. Ok mec, tu fermes la marche. Je ferme la marche, oui, si j'en ai envie. Ah d'accord, ok, il n'y a qu'un seul choix, il n'y a qu'un seul passage. Eh, c'est incroyable, ça bouge là, il y a du mouvement. C'est quoi, c'est des mechas qui réparent les robots, les trucs comme ça, les engins des Hellgast? Je passe devant, Seb. C'est quoi ça? Oh oui, magnifique. Une caisse de munitions. Parfait, parfait. Oh merde! Calme-toi Rico, comment ça? Oh merde. Attends, t'as vu un truc que je n'ai pas encore vu? Contact! Aïe 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 aïe. Ah, ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon du tout. Aïe aïe aïe. Attends, laisse-moi courir vite 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 vite. Voilà. Non, calme-toi l'ami, calme-toi. Qui c'est qui tire là?
Amateur. Non, sur tête, je ne le vois pas. J'ai peur de me décaler et de me faire avoir. Voilà, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. On souffle, on en a déglingué un. Est-ce que c'est le lanceur de roquettes ou pas du tout? J'ai des doutes. Il est là, le lanceur de roquettes. Il est là, le lanceur de roquettes. Il est là. Il est là. Aïe, 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 je me fais défoncer. En plus, Rico est par terre, donc si là je meurs, je vais pas pouvoir être relevé. Voilà, terminado. Histoire ancienne. Histoire ancienne. Rico s'est relevé tout seul, ça veut dire que on en a terminé avec les ennemis de la zone. Je dois retourner me battre. Ouais, tu retourneras te battre contre, tu te relèveras. Mais pour l'instant, compliqué. Hein, compliqué. Laisse-moi reprendre un peu des munitions. Voilà, là on est bien. Avec cette arme là, franchement, on est pas trop mal. Hein. On peut changer. Qu'est-ce qu'on a sur le râtelier là? On a un fusil Esta, STA-14. C'est quoi ce truc? Ah non, c'est l'arme que je déteste. Non, 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 il en est hors de question. Un lance-roquette non plus. Le STA-14. Le STA-52, il est bien. Allez, le STA-52, il est très très bien. Ça me va complètement. Vas-y, cher ami, appuie. Fais un truc. Engagez-les, engagez-les. J'ai besoin d'aide par ici. Est-ce qu'il est mort là? Allez, hey, tu te prends des dizaines de balles à travers la cuisse et tu tombes pas? Tiens ta grenade, tiens vas-y, boum. Voilà, ça fait du bien, ça c'est cool. Et en plus ça rentre très très bien sur la vidéo, j'ai tout bien filmé. C'est perfect, j'ai envie de vous dire, perfect. Te faire exploser sur ta propre grenade, moi, ça me va complètement pour l'enregistrement. Les petits amis, dites-moi si vous confirmez. Franchement, ça avait un beau petit rendu qui se fasse péter comme ça, non? C'est cool, hein? C'est cool. Ok. On reste ensemble. C'est moi. Ici le capitaine, vous me recevez? J'écoute. J'ai libéré les prisonniers. Rendez-vous dehors. Ok. C'est quoi cette arme là? Non, c'est pareil, c'est le STA-14. Ça ne me plaît pas, il ne me plaît pas du tout. J'ai pas envie de le ramasser. Sans façon. Je pense que ça va s'ouvrir ici, hein. Il n'y a pas d'autre accès. C'est quoi ces gens là? Voilà. Attendez que je me décale un peu, là je vais vous défoncer les mecs. Hein. Vous ne savez pas encore mais je vais vous défoncer. Les mecs ils sont violents, ils veulent me tuer. En même temps je peux les comprendre. Hein.
Ils arrivent par où? Ils arrivent par où? Dis-moi que ça n'attaque pas dans le dos là. On n'a pas un truc pour faire le plein de munitions là ici? Ça fait mal ça quand même. J'ai vu un truc tout à l'heure pour faire le plein, je ne sais plus où c'est. Putain, je ne le retrouve pas. Ou alors je passe à côté, je ne l'ai pas vu. Y a pas un truc en survoyant, c'est pas loin là? Attendez, c'est quoi ces bêtises? Je passe devant. C'est quoi ça, les petits amis? Mais non. J'ai trouvé un jetpack. Ah ben là ça va pas être la même hein. Là ça va pas du tout être la même hein. Merde, ça fait mal. Il me faut de l'aide. Attends, attends, laisse-moi juste me reposer. Attends, les... Oh, j'y suis pas arrivé, j'y suis pas arrivé. Vite, cours, 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 cours. Je suis touché. Salement même. On va les faire tomber un par un parce que là ça va être compliqué sinon. Attendez, c'est quoi ces conneries là? Qui c'est qui tire là? Il faut quelque chose contre la douleur. Il faut une assistance médicale. C'est bon ou pas? Ils se sont calmés? Pas du tout calmé. Je suis touché. Soignez-moi. Ouais, on arrive, on arrive, on arrive. Laisse-moi juste en finir avec lui là, j'arrive pas à le déglinguer. Voilà. Vas-y, relevez-vous les mecs, relevez-vous. Voilà, c'est bon, je vous ai sauvé les fesses. Sauvetage de miche. Oui. Ah, il y en a un contrebas sur la gauche. Putain, c'est abusé ça. Ça, c'est abusé. Attendez, mais ça va jamais en finir. On va jamais y arriver, quoi. On va nettoyer la zone. Proprement. Ouvrez-moi de quoi? Ouvrez-moi de quoi? Ils sont où les mecs? Ils sont où les mecs? Ça tire sur qui? Ça tire où là? Les gars, allez-y tirez, je vous regarde. Attendez, 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 ça tire sur qui? Continuez à tirer s'il vous plaît là, l'œil là. Voilà. Lui il est bon. Je dirais qu'il y a un engin là-bas là. C'est quoi ce gros truc? Non! Dites pas que je vais mourir ici, ça serait pas cool. Relève-moi toi. Mais non! Ah, c'est bon, ok. Ok, je vais te défoncer. Je vais te défoncer.
Ouah, je chauffe. Je chauffe grave. Allez, déglingue-le. Allez, vas-y. Il est costaud le mec là. Enfin, il y a pas de, je pense pas qu'il y a un pilote dedans. Je sais plus si dans les attaques il y a des pilotes ou pas. J'en ai plus de souvenir. En tout cas, je viens de te défoncer. T'as pris tarif. Tout simplement. On se concentre. Prenez leurs armes. Capitaine, on a un problème. Ok. Monsieur, il faut qu'on vous évacue. Pas encore. Je dois transférer les plans de bataille sur mon croiseur. Orlok va me passer un gros sap... Stahl ? Je n'ai pas vraiment le temps de vous écouter couiner. Stahl ? Quoi ? À partir de maintenant, vos armes à Pétrusite, votre matériel, vos hommes... Et vous-même, êtes sous ma direction. Ne dites pas de bêtises. Président Stahl, non seulement vous n'avez pas exécuté les assassins de Vissari... Mais vous vous êtes en plus couvert de ridicule aux yeux d'une nation tout entière. Messieurs, je comprends parfaitement votre colère, j'éternis votre image. Mais tout le monde oubliera cet incident à la seconde où nous nous emparerons de la Terre. Si vous touchez à mon plan d'invasion, vous prenez des risques. Non. Nous ne négocions pas, monsieur le Président. Vous vous plierez à la volonté de l'Autarque. Autarque ? L'Autarque ? Vous le nommez successeur de Vissari ? Monsieur le Président, si vous refusez, vous serez considéré comme ennemi d'État. Et nous vous ferons exécuter. Acceptez-vous la décision de l'Autarque ? Bien. La flotte d'invasion se réunit en orbite autour de l'ascenseur spatial. Livrez-nous les armes en main propre. Immédiatement. Non ! Non ! Non ! Préparez ma flotte ! Tout de suite, crétin ! On a l'impression que le mec il va prendre une décision qui n'est pas du tout... Dès que les armes seront là, je veux Stahl mort. C'est clair pour tout le monde ? Ah ouais. À votre guise. Eh mais je pense que Stahl, il en a encore sous le coude, hein. Nous n'avons pas à jeter de l'huile sur le feu. C'est pas nécessaire. Ils le font pour nous. Très bien. S'il faut y aller, autant se rassembler. Et se préparer comme il faut. Ce croiseur vole vers un spatioport. On le réquisitionne et on prévient la Terre. Mais comment se barrer de ce merdier ? Jammer, je t'avais pas ordonné de retourner au camp ? Ne jamais suivre un ordre à la con ! Vous devez être Narville ? Jammer, amène Narville jusqu'à ses hommes. On reste en contact radio le plus longtemps possible. Wow, mais c'est quoi ça ? Continue de suivre Stahl. On finira par trouver le spatioport. Attendez, mais c'est trop bien, c'est quoi ce truc là ? Wow. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Allez, d'accord. Okay. La visée, c'est avec le stick gauche. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Pas bon, ça. Ça sent pas bon. Attention, chute de pierre. Voilà. Non, ça ne marche pas, je crois. C'est allez, vas-y. Mais rattrape-le, quoi.
Ah, j'arrive pas à la rattraper. On va se taper une avalanche là. Oh, l'éboulement de malade. L'éboulement de malade. Ça sent pas bon ça, ça sent pas bon ça. Oh mais non, mais comment je peux éviter ça? Mais attends, je l'ai défoncé, pourquoi il m'est tombé dessus, c'est ça? C'est pour ça que je suis mort? Voilà, toi tu meurs. Non. Mais arrête un peu, c'est quoi ces conneries là? Allez, vas-y. Mais pourquoi je me fais exploser? Bon, cinquième tentative les petits amis, je ne sais pas ce qui se passe. Allez, je vais y arriver cette fois-ci. Il va me tirer dessus lui. Allez, s'il te plaît. Il est temps de mourir, voilà. Ah mais c'est pas trop tôt. Oh là là, ça ne s'arrêtera donc jamais. Voilà. J'espère qu'il n'y en a plus. Allez, j'espère qu'il n'y en a plus. Aïe 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 aïe. Par contre on n'a pas de réel bruit de moteur, c'est dommage. Oh merde. Allez, allez, allez. À fond, à fond. Alors là, je balance tout ce que j'ai. Ah, faut pas rouler dans les fosses. Deuxième essai pour l'instant. Ok, faut esquiver les crevasses là. Merci, merci. Capitaine Narville, ici Sevchenko, vous me recevez? À vous. La glace s'arrête là! Séance d'escalade. Bon sang, Rico. Regarde combien ils sont. Attends. Capitaine Norville, ici Sevchenko. Vous me recevez? Sergent, enfin. J'espère que vous regardez le ciel. C'est un lancement. Un vaisseau de reconnaissance. Donc toute la flotte sera partie dans une heure. Sev, l'invasion a commencé! Capitaine! On l'a vu, sergent. En avant, les gars! Sev, si on veut émettre un avertissement, il faut atteindre le spatioport au plus vite. Il faut y aller! Ouh, ça sent pas bon cette histoire, ça sent pas bon du tout. Voilà l'ascenseur spatial. Te bile pas, on trouvera un moyen d'arrêter ça. C'est quoi cette décharge là? C'est quoi cette casse? Oh, au niveau décor, ils auraient pu se renouveler autrement quand même. J'arrive. Allez, Sev, monte là-haut. Vas-y, aide-moi à escalader. Hey, pas de plaque sur les gros, sale con.
Quoi? Fais pas de blagues grossophobes ici, hein. J'arrête pas d'entendre ce type crier. Personne devrait mourir comme ça. Putain, mais s'il lance ses armes contre une planète... Ouais, s'ils font ça sur une planète, c'est pas bon. Vas-y Rico, tu avances ou quoi là? Merde, on n'a pas choisi le bon chemin. Je vais jeter un coup d'œil. Mais si, regarde bien. C'est bon, on y va. Voilà. Attends, des robots sentinelles. Ah, aucune réaction. Bizarre. Allons-y. Ouais, c'est des attaques qui sont peut-être programmées à faire autre chose. Faut trouver Narville ici. Ascenseur spatial droit devant. Il devait être par là. Il y a quoi dans cette dans cette carcasse de voiture carbonisée là? Alors. Ok mec, tu fermes la marche. Les voilà. Ça sent l'ozone. T'arrives à sentir quelque chose? Nom de Dieu! Oh mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore là? Bougez pas! Je ne veux voir aucun mouvement, c'est clair? Ne bouge pas, soldat! Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Oh merde! Putain! J'y arriverai pas! Arrête de bouger! Je peux pas! Non, faut que je parte! Non, faut que je parte de là! Je peux me barrer! Non! Jammer, qu'est-ce qui se passe? Sergent, on vient de perdre 5 hommes. Narville va forcer la clôture. Attendez. Très bien, Hooper. Vas-y, Mono. Mais qu'est-ce que c'est que ces ondes vertes, là? Dès qu'on bouge, ça nous carbonise, c'est ça? Il nous faut un truc plus rapide. Ou plus gros. Jammer, on se dirige vers l'usine mobile. Tu peux voler? Négatif. Mais je peux trouver autre chose. Compris, retrouve-nous à l'usine. Ok. Il n'y a aucun chemin direct jusqu'à l'usine. Il va falloir couper. Ah, attendez. Qu'on admire un petit peu la vue qu'on a là. Rejoindre l'usine mobile, ok, j'ai compris. Ça c'est quoi? C'est les troupes de Narville ça? Ouais, je pense. Ce matos pourrait bien nous être utile. Voilà, parfait. C'est quand même intéressant, hein. C'est assez mortel ça, en fait c'est pas un lance-grenade hein. C'est un one-shot en ligne droite hein. Tiens. Waouh, ça fait trop plaisir. Je vais refaire le plein un peu. C'était par là? Ah zut! C'était ici, mais il n'y a plus de. D'accord. Ah ben si, il y en a un petit peu. Très
très bien ça. Oh, je viens de me faire déglinguer. Par contre, sur les soldats, ça m'a pas l'air très efficace. On peut réessayer. Il a son compte. Ah, il faut quand même en envoyer plein. Hein. Ok. On refait le plein. On va pas l'utiliser tout de suite. Ah mais Rico, t'as déjà traversé? T'as été trop rapide, mec. Arrêtez! Avec vos grenades dégueulasses, là. Ça fait mal, ça. Ça fait très mal. Putain, c'est rapide, hein. C'est rapide. Allez! Posons une charge sur cette porte! Mais écoutez, on va poser la charge, mais dans le prochain épisode, histoire de laisser un peu de suspense. Si vous voulez savoir ce qu'il y a derrière cette porte, bon après je pense que c'est pas non plus un énorme suspense, mais... J'ai plus d'explosifs! Rendez-vous dans le prochain épisode, je vous dis à plus, salut à tous, bye!